Donc là, on voit qu'au niveau du cadran, quelqu'un qui va être à 12 000 et qui a une entité, une amérante sur lui, eh bien son taux vibratoire va progressivement, avec le temps, ça peut prendre des mois et des années, mais va chuter de plus en plus, de plus en plus. D'autant plus quand il, eu, quand il y a plusieurs amérantes, quand il y a plusieurs charges négatives, le taux vibratoire va chuter. Euh, et ça dépend aussi du niveau de charge si c'est du niveau 1, 2 ou 3. Donc, lorsque je parlais tout à l'heure de maladie, c'est-à-dire que la personne peut être sur un plan de médecine traditionnelle, de médecine classique, allopathique, être en très bonne santé. Mais par contre, elle va être fatiguée, elle va avoir du mal à récupérer, à retrouver son énergie. Elle va se sentir très lourde, plombée, avoir le sommeil perturbé et un taux vibratoire qui va être assez bas. Euh, faire ce type de libération, ça permet de libérer cette charge et de permettre à ce taux vibratoire de réaugmenter euh, à un niveau acceptable. Ensuite, on a euh, la charge négative de niveau 3. Donc là, ça correspond... Euh, aux charges, je dirais, qui n'ont pas une origine humaine. Autant une amérante, ça a une origine humaine, parce que c'est une personne décédée dont l'âme n'est pas partie dans la lumière. Et euh, là, euh, on a affaire à des charges négatives qui n'ont pas d'origine humaine. Donc le protocole est tout autre. Euh, et là, c'est une libération qui est beaucoup plus lourde à, à effectuer. Tout se joue et tout se fait dans une protection totale et absolue, ça c'est important. Et lorsque l'on fait un passage d'âme sur la charge négative de niveau 2, par exemple, ce passage d'âme, on le fait jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la fenêtre pour faire sortir cette charge en disant à la personne, vous êtes libéré, vous êtes débarrassé, merci, au revoir. Euh, parce que cette personne, lorsqu'elle va quitter le cabinet, eh bien elle va pouvoir récupérer cette, euh, cette entité, hein, cette amérante qui aura fait le tour et qui va de nouveau venir sur elle. Euh, c'est pour ça qu'il est important et même capital, parce que ça, ce que je viens de décrire, c'est un dégagement. Allez, je fais le ménage, je soulève la poussière, je souffle, il n'y a plus de poussière, tout va bien, sauf que la poussière se redépose. Faire un passage d'âme, c'est accompagner cette âme jusqu'au bout, jusqu'à la lumière. Et de, et de deux, c'est de faire en sorte à ce que la personne à qui on fait cette séance, que ce soit en présentiel ou en distanciel, soit protégée à vie contre toute autre charge négative. Et ça, ça fait partie euh, de ce qui est enseigné sur cette façon de faire, sur cette méthode. La personne est protégée à vie. Donc c'est quelque chose qui ne pourra plus se reproduire. Moi, ça fait 12 ans que je fais ça et à aucun moment, j'ai des personnes qui sont revenues me voir pour la même problématique. Et enfin, on a de l'autre côté, sur les perturbations éthériques, les nœuds carniques. Euh, donc là, euh, c'est quelque chose qui correspond au lien d'âme, mais qui va englober euh, et un lien, plusieurs personnes. Ça peut être un lien éthérique, donc ça, c'est entre deux personnes, mais on peut avoir un lien éthérique avec deux personnes avec trois ou quatre personnes ou plus. Si on n'est pas initié et si on n'a pas la clé de connexion. Le fait de se relier à cette sphère, c'est quelque chose qui décuple la force libératrice du soin, la force de guérison du soin que l'on est en train de faire. Et lorsque tous les initiés se relient en même temps à cette sphère de ciels, elle atteint un niveau euh, qui est indescriptible voilà au niveau des différents protocoles euh, des différentes façons de procéder à ces soins euh, dans les outils, bien sûr il y a la méditation, hein, j'enseigne je, la méditation depuis, euh, depuis euh, beaucoup d'années maintenant euh, il y a les portes de l'univers les portes de l'univers ça c'est un outil que j'ai euh, je ne peux pas dire créé, parce qu'on ne crée rien à ce niveau là, mais en tout cas que j'ai découvert euh, on a tous en nous douze portes de l'univers, et ces portes doivent être ouvertes. Euh, ça, ça fait partie des euh, enseignements de cette méthode. Derrière chaque porte, il y a un champ d'action bien précis, mais il y a également une glande du système endocrinien, il y a un méridien et l'organe qui est associé à ce méridien, il y a un brin d'ADN, euh, un chakra, etc., etc., donc ces portes de l'univers doivent être ouvertes. On apprend dans cette méthode à identifier, bien sûr, à connaître ces douze portes de l'univers et à identifier si elles sont ouvertes ou fermées. Et on apprend à les ouvrir pour soi et les autres en présentiel ou en distanciel. Les portes dimensionnelles, c'est cinq portes dimensionnelles qui permettent d'accéder à, à ces ouvertures dimensionnelles. Euh, qui sont aujourd'hui accessibles de par l'évolution du taux vibratoire de la Terre. Je vous parlais de, ce, de cette évolution tout à l'heure, ce n'est pas anodin si je vous en ai parlé. Aujourd'hui, les douze portes de l'univers, euh, on pourrait très bien se dire pourquoi j'ai découvert ça maintenant. Si je m'y étais penché il y a dix ans de ça, au plus, euh, je n'y aurais jamais eu accès. Et quand je dis que l'augmentation, l'explosion du taux vibratoire de la Terre ouvre le champ des possibles, c'est que on a aujourd'hui accès à certaines choses auxquelles on n'avait pas accès auparavant. Donc, je me suis longuement questionné hein, sur euh, la justesse, sur la pertinence de cette découverte, euh, et je me suis surtout demandé pourquoi moi. Il euh, y a eu bien d'autres personnes avant moi. Qui ont fait euh, un travail formidable sur un plan énergétique, sur un plan vibratoire, il y a eu des maîtres euh, d'une puissance énorme. Pourquoi Moi. Parce que c'est le moment et parce que j'ai, de mon côté, sans parler de maître, je ne suis pas une guide ou un maître, je ne me considère absolument pas comme ça, euh, mais euh, je pense de par mon chemin, cheminé, accédé et atteint certains niveaux, certains paliers qui m'ont permis d'accéder à ça et aussi parce que c'était le moment. Est-ce que ça fait partie de mon chemin? Je le crois, euh, mais ça ne met pas pour autant en avant ou en lumière le fait que je puisse avoir certaines facultés et pas d'autres. C'est absolument pas ça. Je ne suis pas et je refuse d'être dans un ego spirituel. Euh, C'est absolument pas ma vision des choses. Donc, oui, euh, à un moment donné, il faut accueillir, accepter et recevoir euh, au même titre que l'on donne, que l'on reçoit et que l'on donne. Les portes dimensionnelles, donc il y en a cinq, les autres mondes, les autres mondes de l'esprit. Euh, là, on est sur euh, l'esprit et toute sa complexité. Quand on parle de retrouver ses esprits, mais enfin, il devient fou, il a besoin de retrouver ses esprits. Oui, effectivement, euh, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu et j'ai eu besoin, à titre personnel, hein, de le vivre pour comprendre. Pourquoi je réagissais d'une façon euh, face suite à un événement, suite à un choc émotionnel que j'ai vécu? Pourquoi j'ai réagi de cette façon? Pourquoi je me suis enfermé dans un champ de vision complètement étroit qui ne correspondait plus du tout à celui que je suis? Et j'ai surtout voulu savoir où était passé mon esprit, retrouver ses esprits, j'ai voulu savoir où ils étaient partis. Et à travers ce travail de recherche et de construction, j'ai identifié trois univers. Et dans chacun de ces univers, j'ai identifié cinq mondes, les autres mondes de l'esprit. Ces autres mondes dans lesquels notre esprit, suite à un trauma, peut se réfugier. Et parce que la nature a horreur du vide et que tout est vase communicant, ce qui part de chez moi pour aller dans un autre monde, eh bien je reçois en contrepartie ce qui vient de cet autre monde. Et il n'y a pas que du beau, il n'y a pas que du lumineux, il n'y a pas que de l'amour dans ces autres mondes. Il y a de tout. Et euh, tout a été archivé, tout a été classifié euh, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, ça, ça fait partie également des modules de formation de la méthode Nuskiel. Et puis, euh, ensuite, on a la transmission par canalisation. Donc, là, on est plus sur une, sur une vision, je dirais, euh, médiumnique. Euh, que l'on a, qui ou pas, qui est en place ou pas, euh, ça, ça fait partie des, des outils. Je ne forme pas là-dessus sur la transmission euh, par canalisation. Je la pratique, mais je ne forme pas là-dessus. Les formations pour une pratique personnelle ou professionnelle, c'est les différents outils de mesure. Je vous en ai parlé, les différents cadrans, le pendule outil, le pendule humain. L'antenne de l'échelle ou le test musculaire. Euh, sachant que le test musculaire, je rappelle, c'est qu'une ébauche du test musculaire. On n'apprend pas, euh, parce que ça fait, ce serait beaucoup trop long, on n'apprend pas l'art du test musculaire. Comment identifier les charges négatives et les perturbations éthériques Donc, ça, c'est ce que l'on doit libérer. Les accessoires, donc les cadrans spécifiques hein, qui ont été créés spécifiquement pour la méthode. Vous avez vu le cadran de Bovis, celui-là, il est, il est mondialement utilisé et connu. Euh, mais il y a bien d'autres cadrans euh, qui ont été créés pour cette, pour cette euh, formation. Euh, les archanges et les maîtres ascensionnés avec lesquels on travaille. Les différents protocoles, les rituels. Euh, comment faire un soin Les différentes prières spirituelles vis-à-vis -vis de telle libération ou telle libération, euh, ça permet d'être dans son intériorité, d'être relié aux terres, à la terre et au ciel, euh, d'être ce canal qui permet de procéder à un soin de libération. Donc, oui, il y a des prières spirituelles, pas religieuses, j'insiste dessus. Les différents symboles comme le huit de nos comme le sceau de nos la sphère de nos dont je vous ai parlé tout à l'heure, et enfin l'ordre de nos L'ordre de nos skiels, c'est euh, un, un groupe de personnes initiées euh, qui viennent constituer l'ordre de nos euh, Les membres de cet ordre ne euh, sont libres d'abord, ça c'est le premier point, libres d'y accéder, d'y adhérer, et libres de le quitter à tout moment. Euh, cet ordre, lorsqu'on en fait partie, on se doit aide et assistance entre les membres. C'est-à-dire que si quelque chose se passe mal euh, sur une séance, parce que je n'ai pas respecté le protocole de façon euh, scrupuleuse, eh bien, effectivement, il peut y avoir une complication. Et dans ce cas-là, les, les membres de l'ordre vont s'entraider gratuitement, évidemment. Alors, qui a créé le groupe C'est moi qui ai créé le groupe. Euh, le mot ordre de nos c'est... Euh, alors, à l'origine, euh, ça me déplaisait énormément. Euh, je me disais, non. Ordre, ça peut donner une connotation sectaire ou obligé ou commandement, rentrer dans les ordres, etc. Euh, et mes guides ont lourdement insisté et euh, c'est vraiment le nom qu'il fallait donner. Euh, ça ne veut pas dire que ce groupe euh, est euh, géré d'une façon euh, autoritaire, euh, d'une façon euh, sectaire ou autre. Ça, j'y tiens. Chacun est libre d'y accéder, chacun est libre de le quitter. Euh, cet ordre de nosquiel, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment de d'apporter je dirais de l'ordre d'une façon collective avec ses différents membres là où le désordre a été semé par l'ombre par le chaos par ces énergies sombres euh, auxquelles euh, la planète et l'humanité euh, peut faire face de temps en temps donc c'est vraiment de travailler ensemble de façon à décupler nos forces pour nourrir cet avenir Oui, ça peut être également dans cet esprit alignement. Tout à fait. Donc, je vous dis les choses vraiment comme moi je les ai vécues, hein, comme je les ai vraiment ressenties. Donc, euh, mes guides m'ont demandé moi, de, de créer cet ordre. Donc, aujourd'hui, les personnes qui ont suivi ce module de formation, ces modules de formation, euh, sont libres d'adhérer à l'ordre ou pas. Euh, ça n'empêche en rien le fait de pratiquer cette méthode pour soi, de façon professionnelle ou autre. Mais c'est vraiment quelque chose qui est, euh, je dirais, euh, qui va dans un collectif, qui va dans, le, qui va dans cette notion de, euh, de travail de groupe, euh, parce qu'à plusieurs, on est plus fort euh, et on va beaucoup plus en profondeur. Voilà pour cette présentation sur cette méthode de libération et de soins.